bienvenue. Vous voulez connaître vos prévisions érotico-sentimentales ou sexuelles de la semaine? Ne bougez pas, voici votre Lovescope. Bélier, vous ne comprenez plus votre homme et voulez le traîner chez une psy. À mon avis, la psychanalyse ne lui servira à rien. Pour remonter dans son enfance, il faudrait déjà qu'il en soit sorti. Taureau, gay, vous ne craquez que pour des hétéros. Oh, c'est embêtant, hein. Les hétéros, c'est un peu comme les canapés Ikea. Souvent convertibles, certes, mais pas facile à monter. Gémeaux, votre amoureux a ses défauts et vous voulez le faire changer. Oh bah laissez tomber, hein. Ou bien trouver un autre mec tout de suite, ce sera plus simple. Le seul moment où on peut vraiment changer quelqu'un, c'est quand il porte encore des couches. Cancer, bonne nouvelle pour vous. 3 rapports sexuels par semaine rallongeraient la durée de vie de 10 ans. C'est génial, hein. Bon, par contre, ce qui est embêtant pour moi, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qui se passe pour ceux qui ont 3 rapports par jour. Lion, vous êtes angoissé à l'idée de mourir un jour? Oh bah non, voyons, faut pas avoir peur de la mort, hein. Je suis sûre que c'est une sorte de nouveau départ. Ben oui, réfléchissez. S'il y avait vraiment rien après la mort, les gens reviendraient. Vierge, vous adorez le covoiturage qui vous permet de rencontrer du monde tout en voyageant pas cher. Tiens, j'ai justement eu l'idée d'un nouveau concept. Ça consiste à faire la tournée des bars avec des inconnus. J'ai appelé ça le covoiturage. Balance. Avec votre mec, vous êtes en bonne santé car vous mangez souvent des fruits. Vous, sa banane et ses kiwis, lui, vos poires et votre abricot. Scorpion, vous fréquentez trop les réseaux sociaux et cela nuit à votre confiance en vous. Vous trouvez votre vie sociale nulle à cause de Facebook, vos jeux de mots pourris à cause de Twitter. Surtout, n'allez pas sur Pornhub. Sagittaire, mauvaise nouvelle, le beau gosse que vous croisiez tous les matins dans le train, eh bien il prend plus le train. Oh là là, c'est ballot, hein. Vous étiez à 4 mois de lui dire bonjour et à 2 ans de conclure. Capricorne, vous savez, votre mec a raison sur un point, vous êtes trop brutal avec votre beau-père. Non, non, il n'y a pas que lui qui le dit, c'est aussi l'avis du médecin légiste. Verseau, votre copain vous demande de faire des efforts pour votre couple. Oh, c'est marrant, le mien c'est tout pareil. Mais on m'a dit que les efforts sont payants. Et moi j'ai déjà plus rien sur mon compte. Poisson, en ce moment vous avez le summum. C'est comme le seum, mais beaucoup plus haut. Le Lovescope c'est fini, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles prévisions. D'ici là, je vous souhaite des nuits aussi douces que torrides. Thank you.